Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration ou idée réalisée soi-même. Alors, on retrouve la maison de Lisa et sa maison, donc notre petite figurine Lego. Donc j'ai déjà fait deux vidéos avec pour faire cette maison, donc j'ai le premier étage, étage rose, et puis après on a fait les escaliers, et encore deux autres étages, bleu et le vert. Et après je me suis dit, bon, je vous ai demandé, est-ce que vous voulez qu'on continue à monter tout ça, continue à faire d'autres étages? Et bien sûr. Bon bah on continue alors, et on va agrémenter, on va continuer cette maison. Enfin, j'ai d'autres escaliers, je vais vous montrer. Vous êtes une direction et ensuite j'ai changé de direction. Voilà. Enfin, j'ai tout soutenu avec quelques autres Lego hein, pour pas que ça s'écroule quand même. Voilà, que ça reste solide. Ok, bon, ça va durer peut-être un petit peu plus longtemps qu'une fois que, en attendant que cette maison soit terminée. Mais voilà, en tout cas, on continue encore avec les étages selon vos souhaits. Donc, on est parti. Bon, alors, on continue donc cette maison. Bon, la maison n'est pas tout à fait rose et violette parce qu'elle devait être rose et violette à la base. Mais je n'avais plus de Lego de ces couleurs, donc j'ai dû changer de couleur et trouver une autre solution. Donc, on continue avec d'autres étages. Ok, donc là après on va utiliser, on fixe déjà ça, après on peut continuer les escaliers, comme ça on arrive jusqu'à cette partie de la maison. Voilà, donc là c'est devenu gigantesque. Voilà, donc après, pourquoi pas, je penserais peut-être à faire un toit, une petite terrasse. Ouais, ça peut être sympa. Voilà, donc là... on a notre étage, après là ça pourrait faire un balcon plutôt sympa. Après est-ce qu'on a assez de place? Bon là on a vraiment pas mal de pièces hein. Plutôt cool. Je peux imaginer déjà de vivre ici. Et voilà!
Donc je suis super fière de cette maison, elle est devenue vraiment top top top. Donc avec le toit, la petite terrasse, des escaliers partout, des plein plein de pièces. Et puis bon bah la maison là est devenue vraiment très très grande. Donc on a l'entrée ici, donc je refais une visite. Une grande pièce. Voilà, que je laisse quand même ouvert ici pour qu'on puisse quand même jouer. Et on a une porte. Voilà, pour aller dehors. Oh oh, mince, vous savez, cette porte qui ne s'ouvre plus à cause des marches. Donc, il va falloir que je trouve peut-être une solution pour ça. Que je change, peut-être que je fasse quelques modifications. À voir. Donc là, on monte. Voilà. Les escaliers. On arrive au premier étage. Voilà, une pièce assez grande. Et puis, on continue à monter les escaliers. On arrive dans une autre pièce. Différente. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai utilisé ce, voilà, ce petit effet en vert, voilà, sympa. Donc, bah, il faudrait en encore donc des escaliers là jusqu'au toit. Et le toit, bah, c'est super chouette. On a une petite terrasse et puis un toit de fleurs. Donc voilà, donc très très sympa, super cool. Et puis bon, on a tout en haut avec plein de petites fleurs ici, et puis une petite pointe avec une petite décoration. Voilà, donc ça c'est la petite maison de Lisa. Plutôt pas mal, hein? Mais il manque l'aménagement aussi, pourquoi pas faire le garage, le jardin. On a encore pas mal de choses à faire. Mais c'est déjà pas mal du tout, je suis super contente du résultat pour l'instant. Donc j'espère que vous, ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à regarder ça et que bon bah... Ça vous a donné des idées également. Donc c'est quand même pas mal de travail, hein. Mais c'est trop cool. Travail de construction, c'est trop cool. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez plus qu'une vidéo. Et on se dit à très vite. Salut !